Oh! Ok, tu pourras remontrer comment l'activer. Ouais, tu vas dans les raccourcis, compétences et sort d'invocateur, tu descends tout en bas et ensuite tu as marqué cibler les champions uniquement ici. Tu cliques et ensuite tu bindes de la touche que tu veux. Et donc en gros, pour te montrer ce que ça fait, c'est que là ton curseur, qu'il soit en classique ou non, il n'y aura pas de surbrillance, il sera pas en surbrillance. Et lorsque tu vas l'activer, là mon curseur est passé en surbrillance. Et donc je ne pourrai cibler que les ennemis. Et je ne peux pas cibler par exemple la tour là. Alors que si je le désactive, tac, là ça redevient en forme d'épée. Voilà. Et je pense que si vous avez le nouveau curseur, ça vous met un point rouge au milieu du truc. Vous verrez, bah de toute façon vous appuierez dessus, vous verrez bien ce que ça fait. Je vais le laisser taper comme ça, il pourra stack son truc, non? Bon, que ça marche pas comme ça. Oh, le level de mid, comme je l'avais call. Il faut flash. Flash. Bro, flash, what the fuck. Faut maintenir le bouton non si tu vas dans le jeu et que t'appuies ici option ciblée uniquement activable désactivable, t'as pas besoin de rester à enfoncer. Enfin, sur ton stream, je kiffe de ouf. Oh, ça fait plaisir, bienvenue à toi, Tensai. Non. Il a vraiment go par là, mais qui est... What is this crazy guy? Ah! Ignite. Big. Ok. Bah du coup on a remis bien le Yone, ouais. Il a 2 kills là, son actif gratuit. Le truc c'est qu'il faut qu'il les reset avant qu'il drop ce shutdown. J'aurais dû l'aider à push, mais je crois que sa wave était bien de base, celui qui a voulu rester. Bon allez, je reset, y'a plus de mana. 2 kills, mais il veut pas reset. Sauf que là il va TP l'autre. Ouais. Le crash vite au moins ou pas? Ouais, ok. Non, non. Allez, il ne faut pas jouer le flip. C'est un malade le Jarvan, gros. Il ne veut pas clear. Oh, reset, I beg you. On prend trop de dex, hein. Ouais, même moi je peux me faire dive. Reset, I beg you. Ha! Putain de merde! Oh, les trollers en face! Dieu merci! Heureusement qu'il est trop naze! Heureusement que le Jarvan est trop naze! Il va pas reset, hein! C'est qui va rester? Ok, ça va, y'a plus de mana en vrai sur l'écho. Arrête, j'ai pas envie qu'il drop son shutdown, c'est pour ça que depuis tout à l'heure je le babysit. Je n'en peux plus. Putain, il a 3 kills du coup. Il a récupéré bot plus carquois. Vas-y, moi je reset. J'ai perdu trop d'HP avec ces conneries au mid. Ok. Normalement, il n'y a pas d'ignite sur le Renekton, ça m'étonnerait qu'il se fasse tuer en 1v1. Nice. Allez, on fait ça rapide et on se casse.
Ouais, ça sert à rien. On fait un kill, he's ok. Alors c'est le masterbait. Il est trop nul le Jarvan. Oh mon dieu. What the fuck. Oh le cadavre. Non c'est... Je suis choqué carrément. Entre tous les ganks qu'il fait depuis le niveau 2 et là et tous les dives qu'il a essayé de faire et tout. Non ça, je suis choqué carrément. C'est fin de partie. Oh c'est fin de partie, ça y est. En fait, Leon a turbo bait toute la game et au final ça a fini par passer. Donc ils ont tenté. En fait, et je vous jure, hein, j'ai rarement vu un truc aussi chaud. Le mec, il a turbo bait toute la game. Il les a empêchés de reset en boucle. Ils étaient là, ils étaient en mode là j'y vais. Non, pourquoi il reste alors qu'il a un HP? Non, c'est pas possible. Je suis là, je les cover à fond. Il y a pas eu un timing où il pouvait mourir. Ah, faut que tu drops ça, mon gars. C'est à moi ça. T'as même pas de smite à 900. Bah ouais mon gars, désolé tu peux rien faire. Ouais j'ai envie de reset moi, j'ai mon profondeur. Bon j'avais mon item, je le savais quand même que ça allait se passer comme ça. Je savais que ça allait se passer comme ça. Ouais, avec mon item j'aurais rien pu faire genre. Oh. Il est mort. Oh c'est Jarvan. C'est Kragas qui a récupéré. C'est le Kragas support. Oh, non mais leur game est... Wesh. Non mais qu'est-ce que c'est que cette game. Il vient de dash in comme ça, il a aucune info. Je vais aller ral top. Je vais les pousser à faire des 1v2. Ils pourront jamais jouer. Non mon gars, non. Bah ouais, non. Et pourquoi? Il vient d'enculer notre dive. T'es mort. Non c'est trop. Je récupère un premier tour tout seul. Oui. J'ai deux items. 13 minutes j'ai deux items. J'espère qu'il s'appelle. Oh les low boosting frère, la vie de la mère. Qu'est-ce que je vois. Oh non. Oh. My bad, désolé. Désolé, je troll. Ouais, dis-moi, je voulais juste savoir, toi qui a un main ADC. Ah, c'était pour le Q-Click, en fait, je sais pas. Si tu veux tout à l'heure. Le Q-Click ou Champion Only? Ouais, le Champion Only en fait. Ok. Oh, parce qu'en gros, on m'a expliqué les trucs, mais je suis pas sûr, donc je préfère avoir ton point de vue, tu vois. Je voulais savoir, toi tu utilises la touche, enfin, je sais pas si tu l'utilises, mais... J'utilise, ouais. La touche, c'est genre le carré là, au carré? Bah, tu mets la touche que tu veux. Ah, ok. Mais en gros, est-ce que toi, c'est ça? C'est genre ça désactive genre tous les trucs que tu peux cibler, tu peux uniquement cibler les champions? Ouais. Ou c'est un Q-Click? Parce qu'en fait, moi j'ai toujours pensé que le Q-Click c'était ça, genre. Genre quand t'appuies sur Q-Click, ça tapait uniquement les champions prêts. Et pas ah, les... Non, ça n'existe pas. En gros, t'as deux possibilités. Soit tu le. En fait, c'est quand tu appuies sur la touche. Tu peux le régler de deux manières. Soit c'est quand tant que tu laisses appuyer, tu peux target que les champions. Ouais. Mais tu ne peux pas combiner ça en mode. Le Q-Click qui target que les champions n'existe pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en gros, c'est soit tu peux faire ça et du coup, tu peux plus taper autre chose que des champs. Et en laissant appuyer sur la touche, soit t'as des options, si t'appuies une fois, tu peux taper que des champions, ouais. Et tu appuies une fois, ouais, et moi, je préfère tu peux ça, taper ouais. Et tout. Enfin, moi aussi, je préfère ça. Ah, ok. Et du coup, je l'ai setup comme ça et je l'ai mis le bind sur Q. Voilà. Et ah, après, j'ai mon Q-Click. Mais du coup, mon Q-Click est sur X. Ah. Ah ouais, bah mon Q-Click il est sur le X, je peux appliquer, c'est-à-dire.
Hein? Ouais, mon clic, mon X, c'est ma touche missing. Non, ok. Bah, c'est bon, c'était bien vérifié. Donc, on a les mêmes infos, c'est bon. Arrête, j'ai pris 14 minutes à comprendre le délire. Ouais, je sais pas pourquoi j'étais persuadé que le Q-Click c'était l'attaque only, genre sur les joueurs. Ouais, je vois. Non, après, t'as deux types de Q-Click, c'est peut-être pour ça aussi, potentiellement, c'est ta perturbe. Ouais, bah, ouais, parce qu'en plus, je voyais marqué. T'as Q-Click, c'est où tu dois recliquer, et t'as le Q-Click où t'as pas besoin de recliquer. C'est ce que je veux dire ou pas? Pas du tout. T'as le Q-Click où t'appuies une fois et tu vois la range d'auto-attaque et faut que tu recliques pour donner le truc, et t'en as un où juste t'appuies, ça fait comme un clic droit, tu vois. Ah. Et celui-là, il attaque pas que les ennemis. Enfin, y a rien qui attaque. Okay, en fait, tu peux pas combiner l'attaque championnie et le Q-Click. Ça marche Ok. Très bien. J'essaie de trouver une alternative. Très bien. Ok, c'est moi qui suis fou. Bah écoute, je te remercie. Bah, pas de soucis. C'est bien ce que je pensais. Très bien. Enfin, c'est bien ce qu'on m'a expliqué. Nickel. Ouais, bah écoute, mec, bon stream. Bah merci toi aussi. Bonne journée et bonne nuit. Bah merci. Amuse-toi bien. Bisous. Frère, je n'ai pas joué, genre j'ai pris 18 CC, 5 secondes de CC. Non. Oh. Non, j'ai pas réussi à proc le pourfendeur divin une dernière fois pour régène un maximum d'HP. Quelle triste vie. Bon, le teamfight était incroyable. Hein. Il y a eu 4 main ult. Oh là là. Oh. Je le tue pas assez rapidement. J'aurais peut-être dû essayer de dash in sur l'Ezreal. Le problème, c'est qu'Ezreal, j'ai l'impression qu'il a 1 milliard d'HP. Genre là, par exemple, je ne comprends pas. Comment est-ce que Ezreal peut avoir 2005 HP? J'en ai 2006. Alors que moi, j'ai 7 items qui donnent 300 HP, celui-là qui donne 400, ça qui me donne 150. Et genre lui, il a le même nombre d'HP que moi. C'est ça que je comprends pas. Il a le même niveau que moi. Genre, j'ai que 200 HP supplémentaires. C'est bizarre quand même. Alors que moi, je joue un combattant. Ça l'a pas cancel là? Wouah! C'est incroyable ce qu'on leur a mis en no joke. Allez, we'll play 2. Terminera peut-être pas sur ça. Regardez-moi bien taper ce Nexus hein. La game va pas durer plus longtemps, c'est moi qui vous le dis. C'est ciao. C'est ciao.